Bonjour à toutes et à tous, c'est Hypnotique 84. Aujourd'hui, on se retrouve pour un commentaire qui n'est pas le mien et pour la deuxième fois, par rapport à mes commentaires, ce sera le deuxième commentaire concernant une joueuse de Call of Duty. Oui, j'ai bien dit une joueuse. Donc le premier commentaire, c'était celui de Miss Nalex. Aujourd'hui, on est avec Sophie. Sophie FR pour son pseudo, donc vous pouvez retrouver tout de suite, je vous précise, sa chaîne YouTube Afterlife Game. Donc voilà, donc encore une gameuse, et vous allez voir une partie fort sympathique qu'elle va nous faire. Un peu dans le même style, si vous avez suivi Code QG, que Tizo a pu commenter donc de Sophie très récemment, donc un peu le même style. Cette fois-ci, c'est sur Launch, on est avec le MP5 chargeur amélioré. Comme atout, poids plume, marathon et vous avez vu impact lourd, tout ça n'est pas en pro, donc on est avec les atouts mais sans être en pro. En grenade, donc on a une claymore, une flash et une fumigène. Pour ce qui est des killstrikes, nous allons avoir donc la tourelle anti-aérienne, si je ne me trompe pas, ou le colis stratégique à vérifier. La frappe de mortier ainsi que colère divine. Donc vous allez voir tout de suite une belle partie au MP5, en plus qui est une arme qu'on revoit pas souvent souvent souvent. Pareil, vraiment de bons réflexes, beaucoup de tirs au jugé et du rush, du rush, du rush, du rush, beaucoup beaucoup de rush. Donc je vous laisse admirer, je vais commenter. Donc voilà, vous avez vu, donc colis stratégique, voilà, donc c'était colis stratégique. On a donc la frappe de mortier. Là, dans un petit coin, elle envoie la frappe de mortier et vous allez voir que contrairement à ce qu'on peut croire, eh ben, elle va nous faire une belle partie avec beaucoup de kills, mais tout ça avec son arme. Et oui, parce qu'elle va pas avoir de gros kill strike, la colère divine ou les mortiers, frappes de mortier ne vont pas faire énormément de frags. Là, en plus, dans son colis stratégique, elle a une tourelle anti-aérienne, donc elle va vraiment tout faire avec son petit MP5 en rushant comme une malade. Et vous allez voir de très bons réflexes. Un bon jeu, beaucoup de tirs au jugé qui fonctionnent très bien et des beaux enchaînements. Donc concernant son gameplay, donc elle joue de ce que je vois avec trois amis à elle. Elle rush énormément comme je l'ai dit. Et je vous invite donc tout de suite vraiment à aller voir sa chaîne, donc Afterlife Game, parce que vous avez de belles parties, surtout pour les amateurs de sniper, où elle s'amuse à faire des quickscopes, des noscopes, des petits duels, surtout une vidéo que j'ai adorée, un versus contre Night Fury si je me trompe pas, sur Code 4, où il s'amuse à faire des noscopes de folie et des petits quickscopes sympathiques, et ça change, ça fait plaisir à voir. Un peu de Call of de Code 4 quoi, qui était vraiment celui qui, je pense, a lancé vraiment la série. Donc voilà, je vous disais vraiment de très bons enchaînements. Vous avez vu là, 3 en très peu de temps. Elle va vraiment faire la partie à elle toute seule. Au niveau des déplacements, là je trouve qu'elle se planque bien à ce niveau-là. Donc là, elle se planque bien avec sa frappe de mortier, pour envoyer sa colère divine. Il y a une ou deux fois où elle va faire des petites erreurs dans le sens où elle va pas se mettre dans un coin pour envoyer la colère divine. Elle va être en plein milieu de la map, donc c'est bof bof. Là, un Blackbird, donc vous voyez, Blackbird, bon, ça va lui donner une position stratégique des ennemis, mais ça ne va pas l'aider au niveau kill. C'est pas un artilleur, c'est pas des chiens, donc vraiment plus de mérite à faire du kill pur comme ça, quoi. Même si là, effectivement, le Blackbird va bien l'aider pour donner l'indication. Deuxième chose, la fumigène, elle s'en sert très bien. C'est vrai que j'ai jamais précisé dans mes tutos, mais quand vous avez des colis stratégiques, faites un écran de fumée. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs très bien. Si elle envoie son colis stratégique, et dans la foulée, à droite du colis stratégique ou à gauche, elle envoie une fumigène. Comme ça, elle n'a qu'un coin à gérer. Admettons que vous avez deux venues d'ennemis possibles. Elle envoie la fumigène à droite. Et à gauche, eh ben elle surveille avec son arme. Alors vous allez me dire, oui, mais le fumigène, ça tue pas l'ennemi. Non, ça tue pas l'ennemi, mais il a aucune indication. Alors là, regardez. 1, 2, 3. Là, elle veut changer d'arme. Elle revient sur la principale, elle revient sur la seconde, et voilà. 3. Là, elle prend l'AK-47, et là, de suite, hop là, encore un frag. Donc là, on est déjà à 32-2.
Donc là vraiment le gros de la partie elle vient de vous le sortir et puis vous avez vu elle se pose pas 2 minutes quoi. Les seules fois où elle s'est arrêtée de courir c'est vraiment bah, pour envoyer sa colère divine, sa frappe de mortier, etc. Donc pour en revenir donc au fumigène, vraiment très sympa de sa part de faire ça. Faites un écran de fumée, c'est très efficace et ça perturbe l'ennemi qui veut venir vous piquer le colis. Bon. Là, malheureusement, elle s'est fait découvrir en tirant, je crois qu'un ennemi... Ben non, pas du tout. Allait connaître sa position. Donc là, il reste 300 points. Elle va un petit peu accélérer la partie, là, il me semble, vous allez voir, là, on est à 33-3. Parce que ben, vous allez comprendre, effectivement, ça sert à rien de mettre la partie, puisque là, vous avez vu, ils sont 3, et en fait... Les joueurs qui jouent en binôme vont partir et vont se retrouver donc à 7 contre 1, là. Enfin 6 contre 1, voilà, ça y est, c'est fait, 6 contre 1. Donc du coup, elle va un petit peu accélérer, voilà, le gameplay, puisque de toute façon, ça sert à rien de vous montrer un joueur qui court après l'ennemi qui n'est plus là. Mais elle va faire la petite killcam de victoire, qui est méritée vu sa partie. Donc il reste un frag, qui va faire le frag? Là, elle a vu qu'il était là-bas, elle s'empresse de le chercher, on est à 33-5, il est là. Et voilà, Sophie a terminé la partie avec un 34-5, donc sur la map launch. Je vous invite vraiment à s'abonner à sa chaîne Afterlife Game. Je remercie Sophie, c'est avec plaisir que j'ai commenté son gameplay. Donc abonnez-vous à sa chaîne, abonnez-vous à ma chaîne Hypnotique84 si vous aimez mon commentaire. Je vous remercie toutes et tous, et comme je le dis à chaque fois, bon jeu!